Le test immunologique présente trois qualités principales. Il est plus simple, plus fiable et plus performant que le précédent test. Plus simple parce qu'il ne nécessite qu'un seul prélèvement de sel et il est dans ses modalités d'utilisation effectivement beaucoup plus acceptable, je dirais, par la population générale. Il est plus fiable car il cherche à mettre en évidence spécifiquement l'hémoglobine humaine, c'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir positif en cas de présence de sang d'origine non humaine dans les selles, comme ça peut être le cas par exemple après l'ingestion de viande. Voilà. Donc il est plus fiable et il est plus performant puisqu'il détecte deux fois plus d'anomalies, que ce soit les adénomes ou les cancers, deux fois plus d'anomalies que le précédent test. Donc, en langage médical, on dit qu'il est plus sensible. Et à ce titre, il est effectivement plus performant, puisqu'il va nous permettre vraiment de ne pas passer à côté, je dirais, d'une anomalie colique qui pourrait devenir cancéreuse.